Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves et Chanel, heureuse de vous retrouver encore une fois dans votre émission Look de Star, votre émission qui mélange mode et musique. Je suis Dodia Ndiaye, la dof de la mode. Et chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous avons l'honneur et l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Makeita, la princesse de la guitare basse, une jeune artiste talentueuse, brillante et une vraie battante. De son vrai nom, Mahoudia. Bonjour Makeita. Bonjour Dodia, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir, un honneur et un privilège aussi pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette émission assez originale, Look d'artiste. Ouais, Look de star. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci à vous surtout d'avoir, d'avoir pu me compter parmi celles qui viennent présenter, les artistes qui viennent présenter leur style vestimentaire. Ça fait un plaisir. Et donc, chers amis téléspectateurs, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons passer à notre première rubrique du jour, biographie, parcours. À tout de suite. Vous êtes toujours dans Look de Star, dans votre rubrique biographie, parcours et ma phrase fétiche, je l'adore. On dit toujours que l'histoire est mieux racontée par son auteur, par la personne qui l'a vécue. Alors, Makeita, en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais? C'est qui Makeita? Bon, Makeita, c'est une jeune femme de 30 ans qui est née le 2 avril 1988 à Corlac. D'un père commissaire de police et d'une maman qui était secrétaire de direction, qui a fait beaucoup d'activités de l'assistanat de direction, de secrétariat de direction. Et j'ai grandi avec toute ma famille, avec mes frères. Nous n'avons pas été dans une ville fixe ici au Sénégal. Parce que c'est pourquoi bon, nous sommes nés dans certaines... Chacun dans une région du Sénégal différente, parce que mon père, il était commissaire, alors il bougeait beaucoup. Oui, et je suis née aussi dans une famille qui aimait beaucoup la musique. Et on a grandi dans ça. Et c'est ça qui a influencé nos choix futurs, dans le choix de faire une carrière musicale. Alors, d'où est venu exactement cet amour pour la musique? Bon, c'est que je dirais que c'était... Cet amour de la musique-là, ce n'est pas moi qui l'ai eu en premier. C'est un virus contagieux qui entrait dans chaque membre de notre famille. Et ça avait commencé par Jacques d'abord, Jacques Keita, celui qui dirigeait le groupe Takeifa. C'est lui qui a décidé en premier d'abandonner ses études pour faire de la musique. Il a fait ça pendant 11 ans et nous l'avions accompagné de loin au début. Mais maintenant, après, on s'est tous intéressés à ce qu'il faisait, moi en particulier. En plus, j'étais très fan de lui et tout. C'est à cause de ça que j'ai voulu faire de sorte que l'humo def rek ma def cause. Tout ce qu'il faisait, je voulais faire ça. Mais tu l'imitais? Oui, en quelque sorte, c'est ça. Et pourquoi précisément la guitare basse? Bon, c'était un autre choix. Moi, j'avais pas commencé par la guitare basse. J'avais commencé avec la guitare acoustique. C'est le même, la guitare même, la même guitare que Jacques était en train de jouer. Maintenant, j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était dans le processus de formation du groupe Takeifa que j'ai dû faire d'autres choix d'instruments. Et c'est ça qui m'a conduit vers la guitare basse. D'accord. On peut dire qu'aujourd'hui, si Makeita porte ce nom-là, si elle est assez connue, c'est grâce au groupe Takeifa. Donc oui, ce sont tes frères. Mais est-ce que cette intégration-là du groupe, jouer ce rôle de bassiste de ce groupe-là n'a pas été facile? Comment s'est passée cette intégration-là? Bon, ce n'est jamais facile déjà. Déjà, la guitare basse, c'est un instrument très difficile à jouer. Pas seulement pour les femmes, mais c'est pour tout le monde. Parce qu'il faut une condition physique assez solide. Il faut aussi une autre lecture intellectuelle de la musique. Et il y a ces deux éléments clés pour pouvoir jouer à la guitare basse. J'ai commencé à jouer cet instrument très tôt, à l'âge de 17 ans. Et c'était pas évident pour moi, mais comme je le dis toujours, la guitare basse est un instrument qui a la particularité d'attirer la passion. Tu te passionnes vite pour cet instrument-là et c'est de là que naît l'amour pour cet instrument et l'envie de faire de belles choses avec.
Et tu as finalement opté pour la guitare basse jusqu'à oui, nos c'est jours. Ça, jusqu'à nos OK. jours. Et comment tu as fait pour les rejoindre? Vous êtes formés ensemble, vous avez suivi Jacques dans cet amour-là, vous avez décidé de former ce groupe-là ou tu les as rejoints juste après? Mm-hmm, parce que j'ai rejoint, parce que je dirais que la formation de ce groupe, on n'a pas fait ça en vrac. OK. Chacun a rejoint. Chacun a rejoint un à un. Jacques dans le processus de création. Et c'est comme ça que j'étais la dernière à avoir rejoint. D'accord. Mm-hmm. Et sur ce, nous allons rester dans le groupe Takefa en tant que tel pour le moment. Et là, nous te demanderons peut-être de nous donner un acapella, peut-être d'un son de votre groupe. D'accord, je vais voir. Merci à toi. Alors, c'était de quel son? Bon, ça, c'est, je dirais que c'est le morceau qui nous avait lancé ici sur le plan national. Mm-hmm. Le morceau s'appelle Fire. C'est un extrait de notre deuxième album qu'on avait enregistré en 2012. D'accord. En tout cas, c'était un joli morceau. Merci. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce son-là. Mm-hmm. Et nous allons passer à une autre étape. Mais avant mm-hmm. cela, vu que nous sommes toujours en train de parler du groupe Takefa, nous avons tous entendu, je pense que tout le Sénégal, tout le monde a entendu récemment que Maketa a quitté le groupe Takefa. Mm-hmm. Pourquoi précisément? Pourquoi tu as quitté ce groupe-là? Bon, je n'ai personnellement jamais voulu donner de raisons précises. Parce que, puisque c'est un groupe familial et tout ça, mm-hmm. j'avais opté pour juste donner l'information que je ne fais plus partie de ce groupe. Parce qu'à ce moment-là, nous étions en train de travailler avec une structure belge mm-hmm. Et qui voudrait que chaque information qui émane de ce groupe-là mm-hmm. soit publiée dans les médias pour des raisons de sécurité. Et c'est pourquoi j'avais donné cette nouvelle-là. Mais je n'ai pas donné de raison parce que c'est affaire de famille, quoi. C'est très compliqué et tout ça. C'est pourquoi j'ai pas donné de raison. Oui, mais cela ouais. peut épingler si jamais mm-hmm. vous en parlez déjà. Tu as décidé d'en parler, mm-hmm. c'est-à-dire d'annoncer que Maketa quitte le groupe. Mm-hmm. Donc cela serait peut-être mieux de peut-être pas expliquer l'essentiel ou le mm-hmm. clin qui fait, ou le déclic qui fait que tu quittes le groupe, mais mm-hmm. peut-être mieux expliquer à nos chers amis téléspectateurs, à tes fans surtout, parce que tu as aussi été mm-hmm. un élément phare mm-hmm. du groupe. Mm-hmm. Plein de gens s'attendaient à ce que Maketa soit dedans. On te cherchait dedans, dans mm-hmm. le groupe. Donc si un jour tu nous annonces que tu quittes le groupe, oui, ce serait bien de nous dire peut-être pourquoi, peut-être pas exactement le sens. Oui, on comprend que cela reste une histoire de famille, mais mm-hmm. voilà, qu'on en sache peut-être un tout petit peu. Bon, ce que je dirais, c'est que ce que ça me permet de faire, d'être hors de ce groupe-là, c'est de donner une autre orientation à ma carrière. Et mm-hmm. ça, ce n'est pas seulement sur le plan musical. Ok. Parce que tu peux faire de la musique ici au Sénégal, mais pas seulement se limiter à ça. Moi, au moins, le fait de ne plus être dans le groupe Takefa, ça me permet de faire d'autres activités. Déjà, de mieux me concentrer sur mes activités sur le plan humanitaire que j'ai fait depuis 6 ans. Okay. Mais aussi de voir aussi s'il y a possibilité de faire d'autres dans d'autres arts de la scène, comme dans le cinéma et la mode aussi, pourquoi pas. D'accord. Et c'est surtout ça, c'est surtout pour ces raisons-là. Ok, donc Maketa a juste quitté le groupe Takefa, mais n'a pas laissé tomber la musique. Bon, non, j'en fais moins, ça j'avoue. J'en fais moins. Depuis que j'ai quitté, je ne fais pas beaucoup dans la musique et tout. Mais quand même, je n'ai pas laissé tomber à 100% parce que ça fait partie de mon image. La musique, c'est ça qui a lancé. C'est à cause de ça qu'on me connaît. Je ne peux pas laisser ça du jour au lendemain.
Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser ça. C'est à titre personnel. Et j'imagine pour tes fans aussi, en tout cas, il y en a qui t'attendront toujours, qui se demanderont toujours où est cette lueur que nous voyons dans ce groupe-là. Donc, s'il faut revenir, fais-le. S'il faut continuer la musique, fais-le. Maqueta a été connue pour ça, la princesse de la guitare basse. Donc, il faudra continuer sur cette lancée. D'accord. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous allons attaquer ou passer directement à notre prochaine rubrique du jour. Vous êtes toujours dans votre émission Look de Star et notre invitée du jour, c'est Maqueta, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la princesse de la guitare basse. J'adore cette phrase. De toute façon, je l'adore aussi. Donc, chers amis téléspectateurs, nous sommes à notre rubrique Style Time, choix du style. Et là, notre rubrique parle plutôt du choix du style musical, mais aussi vestimentaire de l'artiste. Et vu que nous avons déjà débuté avec la musique, donc nous allons plutôt commencer par la musique et nous dire pourquoi. Oui, tu nous as expliqué comment tu as rejoint tes frères, comment cela s'est passé, cet amour pour la musique. Mais pourquoi précisément ce style de musique? Parce que Takefa n'était pas dans le ballard ou dans le... Oui, voilà, faisiez en quelque sorte world music, si on peut l'appeler comme ça. Et pourquoi ce choix de style? Bon, déjà, nous avons voulu vraiment faire quelque chose qui identifiait notre histoire. Parce que nous, on n'a pas grandi dans l'ambiance typiquement mbalar. Je dirais que ce qui nous encadrait, c'est-à-dire nos parents, ils n'écoutaient pas ça. Okay. C'est à cause de ça qu'on n'a pas trop écouté de ça. Et nous, nous avons puisé directement dans ce que nos parents écoutaient. Nos parents, ils écoutaient des UB40, des Tracy Chapman, des Dire Straits et tout ça. Et nous aussi, quand on a grandi, on a eu aussi d'autres intérêts musicaux qui n'ont même rien à voir avec ce que nos parents écoutaient, comme le rock'n'roll. Et ça, ça a pris beaucoup de place dans nos influences musicales. C'est pourquoi nous, notre genre musical, je dirais que c'est plutôt du afro-rock. Du independent afro-rock, parce qu'il y avait les sonorités africaines et tout ça, mais il y avait beaucoup d'influence rock'n'roll dans ce qu'on faisait. Et c'est un peu un mix de ça quand on écoute bien. Ok. Et vous êtes tous retrouvés dans cette même décision, c'est-à-dire cette même amour de style-là, ce choix-là. Il n'y a pas eu de... Non, on n'a pas eu de problème. Non, on n'a pas eu de, parce qu'on sentait tout ça, parce qu'on écoutait ça ensemble. D'accord. Alors, on a senti ça ensemble, comme le morceau que j'ai joué tout à l'heure, ça s'appelle Fire. Je me souviens, on écoutait, il y avait une période, c'était en 2006, il y a un gars qui louait des DVD à Djourbel. Il nous a prêté un DVD de Linkin Park. Okay. Et on mettait ça en boucle toute la journée. Et on ne pouvait plus s'en passer. Même il y avait des gens dans notre famille qui nous disaient, mais Yin, ce que vous mettez là, c'est tympanisant, parce que les gars, ils n'arrêtent pas de crier. Et on leur répondait, mais nous, on aime ça comme ça. Okay. Et on mettait ça en boucle toute la journée. Et c'est en écoutant ça qu'on a composé ça ensemble, le Fire ensemble. C'était une nuit, je ne l'oublierai jamais. Et c'est comme ça que nous étions tous en phase avec le style musical. On n'a pas eu de problème de oui, on fait ça comme ça. À ta façon de parler, on te sent un petit peu nostalgique. Non, c'est pas nostalgique, j'ai une excellente mémoire. Okay. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que je n'oublie pas. Il y a beaucoup d'événements que je n'oublie pas. Et c'est normal, parce que j'ai commencé avec ça. Je n'ai pas terminé ma carrière avec ça. C'est ça qui a marqué mon existence, c'est ça qui m'a aidé à débuter dans la musique. C'est des expériences qui ne s'oublient jamais. Oui, tu as raison. Et vu qu'on est toujours dans le style musical, ceci n'a pas été un problème. Mm-hmm. Et pour le style vestimentaire? Bon, pour le style Le groupe Takefa était quand même doté de musiciens, artistes. Mm-hmm. Chacun d'entre vous s'est attribué un style. Mm-hmm. Chacun d'entre vous s'est attribué un instrument. Mm-hmm. Ton style à toi a été la guitare basse. Mm-hmm. Tu as su bien gérer ce rôle-là. Mm-hmm. Et pour le style côté look, Maqueta n'a pas préféré mettre une extension ou mettre des nattes. Elle a préféré avoir des dreads. Mm-hmm. Pourquoi ce choix aussi? Bon, ça, c'est aussi une autre histoire. Par exemple, par rapport au look de coiffure, chacun a... Bon, ça, au début, ça, chacun a choisi.
chacun a fait son choix. Par exemple, Jacques, c'est, comment sont ses cheveux-là? C'est naturel. Il n'a jamais opté pour faire des rastas et tout ça. Ça, c'est des... Il a, je ne sais pas comment je vais te l'expliquer. Il y a des garçons qui ont des cheveux naturellement rasta. Oui. Lui, c'est le don qu'il a avec ses cheveux. Okay. Et ça a forgé son look côté cheveux, quoi. Cher aussi. Il a fait de l'afro depuis toujours et ça lui allait très bien et il l'a conservé. Moi, c'est une autre histoire parce que j'avais tellement plus le temps de faire des extensions. Parce que ça demande du temps aussi de s'asseoir, de faire des extensions et tout ça. Ouais. Ça demande beaucoup de temps. Mais moi, j'étais entre aller à l'université, aller faire des répétitions et... surveiller les devoirs de mes petites sœurs, m'occuper parfois de certaines tâches de la maison. Mais quand je faisais ce genre de coiffure-là, les genres de coiffure-là d'avant-là, ça pouvait me prendre un mois parce que je n'avais pas le temps pour ça. Mm-hmm. Il fallait que j'opte pour quelque chose qui m'aide à évoluer sans pour autant que je perde du temps. Et c'est à cause de ça que j'avais fait l'option pour les dreadlocks. Ok. Et à tes débuts, Maketa était plutôt du genre style sobre, soft, en jean, t-shirt, basket, sans maquillage. Oui, les dreads ont toujours été là. Mm-hmm. Mais à tes débuts, il n'y avait pas de maquillage. Donc ceci a été quand même remarquable. Mm-hmm. Je pense que tout le monde en a parlé. Je pense que la première fois que tu as eu à poster tes photos sur Facebook ou Instagram maquillée, ça a été... pas un choc, mais remarquable plutôt, parce que c'est un truc que tu faisais pas. Et pourquoi ces changements? Bon, au début, j'avais quoi? Quand on a commencé, j'avais quoi? 17 ans, 18 ans. Tu sais, à cette période-là, où on avait cet âge-là, les filles n'étaient pas trop au maquillage. Mm-hmm. On était plutôt pour le look très, très, très naturel. Soft. Oui, et c'est ça que moi, je mettais en avant. En plus... Il faut que je précise que pendant plusieurs années, nous, on était dans une recherche de style. Okay. Parce que le style qu'on faisait, le style qu'on avait tous, chacun se recherchait. Mm-hmm. Déjà, la recherche au début, c'était collectif parce qu'on faisait du nourole là. On portait presque les mêmes tenues. Okay. Mais après, la recherche du style a été quelque chose de plus individuel de chaque côté. Okay. Et c'est à cause de ça. Moi, je recherchais mon style. J'ai recherché mon style de 2009 à 2013. Okay. Oui, parce que, bon, avant, j'étais très garçon. Je disais que je voulais juste être un garçon manqué. Moi, c'est ça que Très soft, ton jean, t-shirt avec la guitare, c'était que ça. Oui, je m'habillais comme un garçon. Je portais que des pantalons et des t-shirts. Et des baskets. Et je ne me coiffais pas. Je ne faisais que ça au début. Mais maintenant j'ai voulu voir, parce que si je m'habille comme ça et que je porte un instrument de garçon, c'était comme s'il y avait un garçon qui portait une guitare basse. Mais je voulais ressortir, au fur et à mesure, je voulais ressortir la femme qui était cette en moi féminité, pour qu'on voie que c'est une femme, effectivement, qui s'habille comme une femme, qui fait tout comme une femme, mais qui porte un instrument d'homme. C'est à cause de cette réflexion-là que j'ai commencé à te maquiller. À me maquiller. À même coiffer mes locks, parce que je ne les coiffais pas avant, à coiffer mes cheveux, à même opter pour un style vestimentaire plus féminin. Ouais, j'allais en parler. Et c'est aussi ce qui t'a poussé à changer aussi de look carrément vestimentaire. Voilà, c'est ça. Ce style plutôt africain, on dirait. Bon, je suis dans l'africain, mais je suis plus dans la... Je suis plus dans le moderne rock que dans l'africain. L'africain, ça, je peux faire ça de temps en temps parce que tout le monde fait ça de toute façon ici. Oui. Alors, moi, j'ai voulu vraiment faire dans quelque chose de plus moderne que n'importe quelle jeune fille porterait. D'accord. C'est surtout ça. C'est ce qui a été alors le déclic de ton changement de look et de tes frères aussi. Mm-hmm. Donc, sur ce, tu vas aussi nous donner un autre a cappella.
Et je vous rappelle que nous sommes toujours dans votre émission Look de Star avec Makeita. Je ne cesserai de le dire, la princesse de la guitare basse. Eh oui, j'adore cette phrase, mine de rien. Hein. Alors dis-nous, tu t'es jamais amusée à chanter? Non. Bon, je dirais que j'ai commencé par faire des chœurs avec Jacques. Ça, c'est pendant que j'apprenais la guitare acoustique. Ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Mais quand j'ai pris la guitare basse, ça m'a tellement pris ça m'a tellement pris de l'énergie sur le plan intellectuel que après, je dirais que j'ai carrément délaissé la chanson. Et tu t'es mise à la guitare basse pour de bon. La basse est un instrument très jaloux. Okay. Quand tu prends ça, tu es tellement concentré dans des choses parce que la basse, elle occupe une place très importante dans l'orchestration musicale. Ouais. C'est pas seulement dans l'apparence et tout ça, mais c'est plus que ça. Oui. Tu as des responsabilités pour côté régularité de la musique. Mm-hmm. Bon, je parle en matière de théorie musicale. Oui. C'est le régulateur. De l'orchestration qui est musicale, c'est aussi celui qui porte le poids de la musique. Okay. Et c'est celui qui accompagne le batteur qui est d'habitude le chef d'orchestre et tout ça. Et ça, c'est une grosse responsabilité. C'était un instrument que je ne connaissais pas et tout. Il fallait que je prenne le temps de bien l'apprendre. À t'entendre parler, on peut dire que Makeita a appris la musique. A fait l'école. Non, je n'ai... Ou à Doutasac. Non, je n'ai pas fait de conservatoire. Mm-hmm. Je n'ai pas fait le conservatoire ni l'école des arts. Je n'ai pas non plus eu la chance de faire les ateliers de Doutasec, même si j'étais au courant. Mais il y avait aussi plusieurs. Au début, j'étais autodidacte. Mais après, il y avait plusieurs étrangers qui venaient ici, qui donnaient des stages de théorie musicale. Mm-hmm. Et moi, j'allais m'inscrire pour apprendre là-bas la théorie. Je me souviens même, j'y allais avec Cher. Mm-hmm. Et on s'intéressait à comment lire la musique, comment l'écrire et quelles sont connaître certaines normes musicales. Parce que c'est vraiment très important. Parce que c'est quand tu peux commencer et être autodidacte, mais après, il y a beaucoup de choses essentielles qu'il faut connaître. Oui, ouais. Qu'il faut connaître. Mm-hmm. Et donc, toi, tu dirais que tout musicien devrait faire des recherches, devrait apprendre la musique ou pas? Moi, je pense que tout musicien devrait faire ses recherches, apprendre la musique, mais tout en conservant sa particularité de jeu. Exactement. Parce que ça, c'est plus important. Parce que chaque musicien, les grands bassistes qui se sont fait connaître, eux, ils ne se sont pas fait connaître parce qu'ils sont super forts, mais c'est surtout parce qu'ils ont quelque chose de particulier dans leur jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose à conserver parce que c'est un trésor. Un trésor que tu comptes quitter quand même. Bon, pour ça, c'est je parle pour les musiciens, quoi. D'accord. Donc, nous allons laisser tomber cette partie-là. Mm-hmm. Et nous ne quittons pas la musique, mais nous allons parler d'un autre côté, d'une autre facette de Makeita. Makeita est dans l'humanitaire. Mm-hmm. Tu as créé une association qu'on appelle, si je ne me trompe, Care Albinos. Care Albinos, oui. Oui, et comment cela t'est venu? Est-ce parce que tu as subi les mêmes choses que ce qu'on voit d'habitude que les autres albinos? Parce que mine de rien, les gens les stigmatisent ou bien les persécutent ou ils sont étiquetés. Donc, est-ce parce que tu as subi cela durant ton enfance au Sénégal jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui a fait que tu aies pensé à cela, à créer cette association? Bon, moi, j'ai eu quand même la chance d'être dans une famille qui est assez averti sur l'albinisme, surtout du côté de mon père et de ma mère, parce que du côté de ma mère il y avait d'autres neveux, d'autres cousins qui portaient cette même affection là, et du côté de mon père qui était assez instruit et tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'être née dans une famille assez normale, je dirais, mais il y a d'autres albinos qui n'ont pas la chance que j'ai eue par rapport à ça. Et moi, ce que je voulais faire, c'est partager la chance que j'ai eue avec d'autres albinos qui ne l'ont pas. Parce qu'il y a beaucoup de familles sénégalaises dans lesquelles des albinos évoluent, mais mal.
Oui. Et c'est à cause de ça que moi, je voulais partager mon expérience positivement avec eux pour qu'il y ait. Ce n'était pas juste une histoire de les aider et tout ça, mais c'est surtout pour les galvaniser, pour leur donner confiance en eux-mêmes. Et c'est parce que c'est le plus important. Et dans ta vie, dans ta jeunesse, à l'école, dans ton quartier, ou bien ces déplacements que vous faisiez de ville en ville, tu t'es jamais senti écartée ou rejetée ou annexée? Non. Je n'ai pas eu ce problème-là, même à l'école. Je n'ai pas eu. Au contraire, même, ils voulaient. À chaque fois, j'avais des camarades de classe qui étaient. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Parce que j'étais pas rejetée à l'école, j'avais des amis comme tout le monde, j'étais dans des groupes d'amis comme tout le monde. Okay. Quand j'avais besoin de voir prêt, au tableau de voir prêt, ce sont mes camarades, ce sont mes amis qui allaient vers le professeur pour leur dire, mais il faut prendre le tableau de maquette pour le mettre devant, pour qu'elle puisse voir. Si. J'ai eu cette chance-là jusqu'en terminale et je n'ai pas eu ce... Jusqu'à présent. Oui, quelquefois, bon... Ça, c'est inévitable. Tu peux dépasser quelqu'un dans la rue et qui te jette un mauvais mot ou quelque chose comme ça. Mais moi puisque j'ai de très bonnes histoires là, je me bagarre. Tu te laisses pas faire, quoi. Voilà, c'est surtout ça. D'accord. Donc, tu as eu cette grosse chance-là et cela t'a fait penser qu'il y a d'autres enfants comme ce qu'on voit dans la rue, d'autres albinos, qui n'ont pas eu cette chance-là. Et tu t'es dit, pourquoi pas créer cette association? Oui, il y a eu des enfants déjà qui n'ont pas cette chance, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi les autres pays africains dans lesquels on traque les albinos. Et moi, je ne voulais pas que ce phénomène vienne ici au Sénégal. Et c'est la communication qui était le meilleur moyen pour contrer ce phénomène ici. C'est à cause de ça que je me suis engagée dans ça. Ok. Tu es quand même musicienne, artiste, on dira. Et Salif Keita ne t'a-t-il pas un tout petit peu inspiré dans ce domaine aussi, vu que l'œuvre dans ce domaine. Bon, Salif Keita, ce qui m'intéressait le plus, c'était la musique qu'il faisait. Ok. Oui, sérieusement. C'était pas, quand j'ai créé cette association, c'était pas pour faire comme Salif Keita. Moi, je voulais juste faire ce que j'avais à faire. Parce que les Maliens, ils ont eu la chance d'avoir quelqu'un comme Salif Keita pour les assister. C'est pourquoi ils sont à un autre niveau côté albinisme et tout. Et moi, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse représenter les Sénégalais, les albinos du Sénégal ici, et je me suis portée volontaire. L'association que je dirige n'est pas la seule qui existe ici. Il y en a deux autres qui existent. L'une existe depuis 8 ans, une autre depuis 20 ans. Mais plus on est nombreux à faire des actes comme ça, plus les albinos auront le choix pour choisir un plan d'action qui les arrange, quoi, je dirais. En même temps, tu es porteuse de voix, tu es musicienne, donc ça passe plus vite. Il faut communiquer en tant qu'artiste, en tant qu'albinos, en tant que femme, bassiste et guitariste, et ça passe mieux qu'avec toi. Donc, en tout cas, bon courage. Merci beaucoup. On est derrière toi pour ça, vraiment. Beaucoup. Et chers amis téléspectateurs, la voilà, vous la voyez, elle n'est pas tout simplement bassiste, mais elle est aussi dans l'humanitaire. Elle a créé son association pour rompre ce lien-là, je dirais, et aussi aider les enfants albinos. Et nous restons toujours dans notre émission Look de Star, mais passons à notre dernière rubrique. À tout de suite. Look de Star dans votre rubrique Relooking. Eh oui, j'adore cette rubrique. J'espère que, chers invités les spectateurs, vous l'adorez aussi comme moi, parce que notre cher invité va se transformer en mannequin. Je pense qu'elle saura faire. Déjà, elle a le style, elle a la corpulence. Donc, je pense qu'elle pourra pas ce sera pas un problème pour toi de défiler un tout petit peu pour nous. Et comme on le fait dans notre rubrique Relooking, notre invité apporte à chaque fois 4 tenues qu'elle mettra une à une et nous en reparlerons, que nous décortiquerons. Ce seront des tenues que l'artiste ou l'invité a pu mettre sur scène ou dans un clip vidéo. Cela dépendra de notre invité. Donc, nous allons attaquer tout de suite notre rubrique Relooking. Alors, dis-nous, quelle tenue tu vas mettre? Je vais commencer par ça. Je vais commencer par celle-là.
La jaune? Non, non, la rouge, là, rouge. Avec les paillettes, là. D'accord. Donc, nous lui laissons juste le temps de se changer et à tout de suite. Toujours dans votre émission Look de Star et dans ma rubrique préférée, Relooking. Vous avez vu la première tenue de Makita. Mm-hmm. Alors, cette tenue, tu l'as portée en quelle occasion? Ça, je l'avais portée, cette tenue, je l'avais portée en 2017. Mm-hmm. Bon, je l'ai portée deux fois, je dirais. La première fois, c'était en 2017, c'était en Suisse. C'était lors d'un festival qui s'appelle Afro Kingston. Mm-hmm. Et c'était pour lancer notre troisième album qui s'appelle Gas Gis. Mm-hmm. Et puisque c'est Gas Gis, c'est genre celui qui est à la recherche, celui qui cherche trouve. Mm-hmm. Et moi, j'ai choisi de prendre un pantalon de quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui creuse un trou. Okay. C'est pourquoi c'est aussi usé, déchiré et tout ça. C'est le pantalon de celui qui est à la recherche permanente de quelque chose, quoi. Donc, tu as créé toi-même ce pantalon? Oui, je dirais oui. Parce que ce pantalon, c'était un cadeau de mon père. Mm-hmm. Il y avait des déchirures, mais c'était très fermé. Mm-hmm. Mais maintenant, après, c'est moi, j'ai ouvert les déchirures et tout ça. Et j'ai conservé le pantalon pour des occasions comme ça. Et pour le haut? Pour le haut, le pantalon et le haut, ils sont comme ça. C'est comme ça que j'ai pensé. Puisque ce pantalon, il avait un style assez particulier, j'ai voulu mettre ça avec quelque chose qui sort, mm-hmm. qui sort sur scène, un haut avec des paillettes. Mm-hmm. Et aussi du rouge, parce que ça te quand tu es sur scène, c'est seulement toi qu'on voit, quoi, quand oui, tu mets ça. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai choisi l'assemblage, j'ai fait cet assemblage-là. C'est comme ça que je l'avais porté. D'accord. En tout cas, ça te va bien. Merci. Et Dounou, tu aurais un styliste particulier d'habitude pour tes scènes ou quand vous tournez des clips vidéo, vous avez un styliste particulier ou vous choisissez vous-même vos tenues? Bon, moi, je travaille personnellement avec une styliste depuis 2 ans. Mm-hmm. Elle s'appelle Jani Sau, mm-hmm. De Jani Design. Mm-hmm. C'est elle qui me confectionne ces temps-ci. Ces deux dernières années, c'est elle qui me confectionne mes tenues. Mais il y a des choix de style, c'est des choix personnels que je fais. D'accord, oui. Ça ne peut pas manquer ça. Mm-hmm. Et dis-nous, nous avons remarqué aussi que ces dernières années, beaucoup d'artistes, chanteurs ou acteurs, tout ce que tu veux, en tout cas beaucoup de stars ou vedettes, mm-hmm. virent vers la mode. Ces temps-ci, ils ont tendance à créer de lignes vestimentaires, mm-hmm. à créer des marques. Mm-hmm. Est-ce que Makita penserait à cela? Ah, ça c'est évident. Ça c'est sûr. Okay. Parce que ça c'est une autre orientation que je veux donner à ma carrière. Faire de la mode et tout ça et créer une marque. J'ai même déjà pensé au nom et tout, mais je ne vais pas le dire. Tu vas pas le dire, tu gardes ça secret. Oui. D'accord, donc Makita pense à se lancer aussi dans la mode. Oui, bien sûr. Et sur ça aussi, nous avons remarqué que ces temps-ci, tu fais beaucoup trop de shooting. Est-ce que parce que tu défiles de temps en temps ou c'est mm-hmm. juste des pauses que tu fais? Bon, j'ai déjà commencé une formation pour le mannequinat. Ok. Ça, j'ai commencé ça. Et à côté de ça, je fais beaucoup de shooting pour vraiment me constituer vraiment un background côté mode. Parce que moi, les 75%, les 65% de mon stockage photo, c'est des photos d'artistes et tout ça. Mais je veux vraiment faire aussi des shootings qui me révèlent, mais en tant que modèle. Et je fais modèle depuis... Modèle, moi, je suis déjà modèle, quoi. Je fais modèle depuis 2015. Donc tu t'es toujours intéressée à la mode. Ouais, c'est et ça. C'est venu juste comme ça. Oui, c'est venu juste comme ça. D'accord. C'est venu juste comme ça. Donc, chère amie, vous pouvez attendre sa marque à elle. Elle ne nous dit pas comment ça s'appelle, mais ça va venir. Nous l'espérons en tout cas. Mm-hmm. Pensons que tu seras bienvenue dans Inch'Allah, ce milieu Inch'Allah. De mode. Et en tant que mannequin, tu as commencé cette formation, mais tu n'as pas encore défilé sur scène. J'ai eu à participer à certains défilés, mais c'était avant que je fasse une formation. Quoi. D'accord. Oui, j'ai défilé pour Nabo Création. J'ai défilé aussi pour une Dasha Nikwe. Okay. J'ai aussi défilé pour elle et j'ai aussi défilé pour lors du festival de lecture, non, au festival de cinéma qui était à l'université. D'accord. J'ai défilé avec beaucoup de grands mannequins et avec Roger Agbo qui est en même temps acteur
Et ça c'est de belles expériences. Et je me suis dit, pourquoi pas professionnaliser ça? Comme j'ai appris la musique, mais comme j'ai professionnalisé, j'ai voulu apprendre la musique, je veux apprendre aussi le mannequinat. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais tu ne t'arrêteras pas au mannequinat. Tu vas avancer un peu plus dans le stylisme. Pour pouvoir créer cette marque. C'est surtout ça, oui. Surtout ça. Et je ne compte pas le faire toute seule, de toute façon. Ok, Inch'Allah. Et nous serons là pour t'accompagner. Inch'Allah. Et tu vas nous proposer quelle autre tenue? La deuxième, c'est celle-là. D'accord. Ce sera celle-là. Ok, donc elle va défiler et repartir pour mettre sa deuxième tenue du jour. A tout de suite. Deuxième tenue de Maketa, toujours dans votre rubrique Relooking et votre émission Look de Star. Et oui, elle a défilé, vous l'avez vu, elle est en très très belle robe blanche et un manteau en wax. Très très joli en tout cas. Et cette tenue-là, tu l'as mise en quelle occasion? Bon, ça c'est plutôt, c'est pas mon look. C'est pas un look de scène typiquement, parce que j'ai voulu séparer, j'ai voulu faire à la Rihanna quoi. Okay. Parce que Rihanna, le look qu'elle met sur scène, c'est différent du look qu'elle porte d'habitude. Quand elle va quand elle va même défendre sa cause, par exemple. Tu sais, elle est aussi humanitaire, elle fait dans l'humanitaire, elle ce qu'elle prône, c'est pour l'éducation et tout ça. Elle met genre costume, cravate et tout ça. Moi, au lieu de mettre costume, cravate et tout, moi, je mets juste un manteau en wax et une tenue moderne à l'intérieur. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais d'habitude. Disons, d'habitude. Ça, c'est plutôt... ça, c'est plutôt une tenue pour aller dans les conférences, pour aller plaider et tout ça. Moi, c'est ce genre de tenue-là que je mets quand j'y vais. Et aussi pour certains shootings spéciaux, comme mon shooting de 31 décembre pour la fin d'année, j'avais mis ça aussi. D'accord. C'était pour ces deux occasions en particulier. Et c'est de quel styliste? C'est de Gianni Sao, Gianni Design, celle avec qui je travaille depuis 2 ans. Apparemment, c'est elle qui te fait plus tes tenues. Oui. Donc tu es plus avec elle. Je suis plus avec elle qu'avec d'autres, parce que déjà... moi, j'aime bien ce que les grands stylistes qui sont ici font. Mais j'aime bien aussi, et c'est aussi ce que font la jeune génération de stylistes, parce qu'ils ont une autre vision, une vision plus moderne et une vision plus simple. Et la mode, c'est ça. C'est créé aussi, mais c'est créé dans un contexte plus simple où tu pourras mettre des tenues passe-partout, quoi, en quelque sorte. Moderne et en même temps. Ok. Et alors, là, c'est encore une autre facette de Maketa. Je sors juste qu'elle ne nous bloquera pas encore cette fois-ci. Il faudra en parler. Alors, ton cœur, là, il est à prendre ou pas? Mon cœur, là, c'est une forteresse. Il ne faut pas essayer d'entrer dedans pour voir s'il est en tout cas, il faut nous dire, hein, parce qu'apparemment, il y a une liste, vraiment, mais une liste qui attend, donc, juste pour savoir si c'est un cœur à prendre ou non. Bon, je ne suis pas mariée, c'est ce que je peux dire. Ok. Oui, je suis pas mariée, je fais partie des 4,5 millions de célibataires. Oui, c'est ce qu'on dit, hein, apparemment. Je fais partie de cette liste-là, mais bon, tu sais, je n'ai pas eu beaucoup le temps de m'aventurer dans des histoires de... Même, tu vois, même en parler, c'est compliqué pour moi. Alors, c'est un peu ça, quoi. Oui, tu n'es pas mariée, mais Maketa, entre guillemets, est en couple. Non, je ne suis pas en couple. Sérieusement? Non, je ne suis pas. Donc, en même temps, je te jure, tu n'as pas le temps. Avec tout ce que tu fais, moi, c'est surtout mon principal problème. Mon problème, c'est le temps. C'est le temps de me consacrer à ça. À te caser un jour, mais bien à te sûr. Marier. Mais bien sûr. Donc c'est maintenant qu'il faut trouver le temps. Tu penses ça? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Tu penses avoir des ombres, comme on dit, un enfant c'est l'ombre de ses parents. Oui, mais surtout c'est même pas ça, c'est que il faut aussi, moi, comme je le dis toujours, il faut que ce que je fais dans le monde, ce sera bien si les gens du monde voient ce que je fais. Mais au moins, il faut au moins que j'ai un héritier. Oui. Il faut qu'au moins j'ai quelqu'un,
même si ça ne lui rapporte pas de l'argent, mais que ça lui rapporte de la fierté. Et un héritier, c'est un enfant. L'enfant alors, est... les gars, tenez-vous prêts. Elle est songe. Elle veut un héritier, donc elle a un cœur à prendre quand même. Ah si, pourquoi pas, ça fait partie de la vie. Hein. Oui, carrément. Ouais, carrément. On parle de mode, on parle de musique, on parle aussi d'amour, ça fait partie de la vie. Oui, quand même, je le dis tout le temps, ça fait partie. Ce n'est pas un tabou. C'est vrai que c'est difficile pour les artistes d'en parler. Parce que quand tu en parles, tu as l'impression d'exposer ta vie, alors qu'on ne veut pas ça. Mais quand même, les histoires de relations là, ça fait partie de la vie, quelque chose de très normal, très normal. Normalement, ça ne devrait même pas être un problème d'en parler, mais bon, le Sénégal et ses réalités. En tout cas, ça reste un très beau cadeau de Mère Nature, nous on accepte volontiers, et pour vous préparer. Ah, elle est ok, elle veut un héritier. Et sur ça, tu vas mettre quelle autre tenue? Je vais mettre le grand boubou là. Ah ok, en jaune. Oui. D'accord, donc elle va redéfiler, cher ami, passer par là et revenir avec sa troisième tenue. A tout de suite. Troisième tenue de Maketa dans Relooking et toujours dans Look de Star. Ah là, c'est vraiment une star, elle est toute belle, toute ravissante, toute en or, toute en jaune. Elle est vraiment, vraiment belle. Elle te va vraiment ravir cette tenue. Ah, merci, c'est gentil. Très, très jolie. Très gentil. Et c'est de qui? De Rozumi. Une autre? Une autre, oui. Ok. Rozumi, c'est avec elle qu'on avait travaillé pour la sortie de l'album Gaskis, de notre troisième album. C'est elle qui a confectionné, je ne sais pas si c'est elle ou lui, parce que bon, c'était un ami à Jacques, qui a confectionné toutes les tenues qu'il y avait à voir avec la sortie de ce clip, de cet album. C'est comme j'ai dit, hein, nous, on se cherchait côté tenue vestimentaire. Quand on portait des tenues qui se ressemblaient, ça nous allait pas trop. Mais ça, c'est la version la plus réussie des tenues, de nos tenues identiques, de nos tenues collectives. Quoi. Collectives, ok. Mm-hmm. Parce que vous les avez tous mis... Dans cette vidéo-là, avec des couleurs différentes. Ah, ouais, avec des couleurs différentes et des designs très différents. Ok. Mm-hmm. En tout cas, ça te va vraiment, vraiment à ravir. C'est une très, très belle tenue qu'il faut arborer à nouveau parce que ça te va super, super bien. Merci. Donc, chère amie téléspectateur, elle va juste se rechanger pour mettre la dernière tenue et toujours dans Relooking. À tout de suite. Quatrième et dernière tenue de Maketa dans notre rubrique Relooking, dans votre émission Look de Star, toute ravissante aussi, vraiment, tout en noir, en rock, c'est ça? Oui, c'est en rock. Moi, je suis une grande fan de Michael Jackson. Ok. Et à côté du fait que j'ai évolué dans un groupe rock, je suis très fan de Michael Jackson et à chaque fois qu'il avait des musiciens femmes, c'est comme ça qu'elle s'habillait. D'accord. Avec des trucs tout en cuir, avec, avec un haut tigre, un haut léopard et tout ça. C'est comme ça qu'elle s'habillait. Et ça, c'est en hommage. Ça, cette tenue-là, c'est en hommage à lui, à Michael Jackson. Donc, c'est ce qui a fait que c'est ce qui t'a inspiré par rapport à cette tenue. Voilà. Et tu l'as arboré où? Sur scène, en vidéo ou shooting? Bon, ça, je l'ai porté en shooting une fois, mais je l'ai aussi porté sur une scène que je partageais avec Carlo Di, c'était lors du 31 décembre passé. Et c'est à ces deux occasions que j'ai mis ça pour l'instant, quoi. Pour ok. Notre émission touche à sa fin. Donc, vraiment un très, très grand merci. Merci d'avoir répondu à notre appel, à notre invitation. Look de Star te remercie. Merci. Moi-même, je te remercie. Effet Chanel, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Alors, tes derniers mots? Je te remercie, Doja. Mm-hmm. Et je remercie tout le beau personnel qu'il y a ici, toute la belle équipe qui t'entoure, parce qu'ils sont formidables. Moi, bon, je suis pas capricieuse, c'est pourquoi je... mais ils sont au service des gens avec qui ils travaillent. Et ça, c'est vraiment rare de voir ça. Mm-hmm. Alors vraiment, je vous encourage, je vous souhaite merci. Bon, et
Et voilà, c'était un plaisir pour moi. Oui, ce fut un plaisir aussi, chers amis téléspectateurs. Comme je vous l'ai dit, look de star ne compte pas changer. À chaque fois, nous vous amènerons un nouvel invité. Alors, restez surtout branchés sur FE Channel avec la Dove de la mode. À très bientôt. Bye.